De nombreux commentateurs reconnaissent que dans le récit biblique de la création, le monde est ramené aux dimensions d'un verger, cadeau de Dieu, dont la vie est le fruit essentiel. L'arbre qui la représente est au centre. Sans le souffle de Dieu, l'homme n'est que poussière. Pourtant, Dieu lui confie son œuvre, lui délègue le pouvoir de nommer les êtres vivants et lui laisse le choix entre l'écoute et la transgression de sa parole. Le second arbre symbolise l'accès à la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, c'est-à-dire la capacité de diriger seul sa vie. L'interdit posé rappelle à l'homme qu'il ne saurait vivre par lui-même s'il accepte de ne pas être son propre créateur. Alors tout est équilibré et tout est possible. Je veux t'inviter à parler de ta vie pour qu'elle révèle au quotidien et dans tous les domaines que Dieu est ton créateur.